À propos de la rencontre de Nasser Boletta avec Antonio Tajani, Zakaria Abouda, professeur des relations internationales, nous livre sa lecture du nouveau partenariat multidimensionnel entre le Maroc et l'Italie. Regardez. C'est une feuille de route substantielle. Elle s'inscrit dans le cadre du cadre, c'est-à-dire la déclaration conjointe du 1er novembre 2019, qui a traité d'un partenariat stratégique multidimensionnel. Et il faut quand même rappeler rapidement qu'en 1991, le Maroc et l'Italie avaient conclu un accord d'amitié et de coopération, et qu'en 2000, il y a eu conclusion d'un protocole sur les consultations politiques dites renforcées. Et donc plus tard, nous avons assisté à la production de ce texte, le framework, le cadre général, qui hier 5 juillet a été donc assorti d'un plan d'action qui va détailler les éléments d'un partenariat, comme vient de le rappeler, multidirectionnel stratégique, traitant de plusieurs aspects sécuritaires, énergétiques, nous y reviendrons sûrement, mais il s'agit aujourd'hui, à mon sens, d'un renforcement de ce partenariat, de ce lien. D'abord, il est historique avec l'Italie, qui est une profondeur européenne, c'est important. L'Italie, il faut le rappeler, c'est un membre fondateur de la CE en 1957, la Communauté économique européenne. Et c'est un pays aujourd'hui qui fait partie du G7, c'est un pays qui est présent dans les forums mondiaux, etc. Et donc, il s'agit maintenant de donner un coup de fouet à ce partenariat, de le rendre opérationnel et de s'ouvrir sur plusieurs questions, on va dire, connexes, et élargir le spectre même de la coopération pour inclure probablement d'autres participants, notamment au niveau du continent africain.